Cette fois-ci, je vais dessiner Michel Galabru en adjudant Gerbert. Pour ça, il me faut un peu d'Ecoline 381 pour la couleur peau, toujours mon crayon rouge, mon crayon noir, un crayon papier gras, un sec, un peu d'aquarelle marron clair, noir et un peu de rouge. Je démarre par un brouillon mal cadré du visage de Galabru, qui est pour moi un des meilleurs acteurs qu'il ait jamais eu. Donc voilà, un nez en trompette, un regard très expressif. Là, on est plus dans un style BD que d'habitude. Voilà, maintenant j'attaque le dessin proprement dit. Donc le nez très en trompette, la bouche que je vais rater et re-rater d'ailleurs. Le plus important chez Galabru, comme d'ailleurs chez la plupart des gens, c'est le regard. Un regard captivant en fait. Alors ses yeux sont pas très grands, assez écartés, et pour que les gens vraiment reconnaissent quelqu'un, il faut être très très précis. Donc il faut bien regarder les photos, et on verra que Galabru, en l'observant bien, il a un léger strabisme divergent. Donc ses yeux sont pas parfaitement alignés. Et ça, même si on le remarque pas forcément, voire pas du tout, mais notre cerveau l'enregistre, et si je lui fais des yeux trop bien alignés, on ne le reconnaîtra pas. Voilà, maintenant je repasse avec mon crayon gras par-dessus le crayon sec. Pour l'instant, le bas du menton est trop en arrière, donc je dessine, mais je ne vais pas tarder à le refaire. Il a plutôt le menton un peu en avant en réalité. Donc voilà, tout l'attirail du gendarme que je connais bien. Je suis fils de gendarme. Donc ben voilà, le menton a déjà été refait. Je fais les ombres les plus marquées avec l'Ecoline 380 pure. Puis je trempe la pointe du pinceau dans l'eau pour éclaircir, faire les tons intermédiaires. Je laisse quelques zones blanches comme toujours parce que la peau ça brille et ça donne du volume. Ensuite je surligne avec un peu de rouge avant de passer par-dessus du noir. Et oui, c'est un adjudant, il n'a pas une tenue bleue, il a une tenue beige. Comme toujours, je m'applique beaucoup plus pour les yeux, car ça se joue au dixième de millimètre. Le moindre trait en trop et c'est fini, on le reconnaît plus. Déjà que je suis pas complètement sûr qu'on le reconnaisse. Voilà, du marron qui est un peu vert pour l'instant. Et bon, comme je suis daltonien, je fais pas toujours très attention aux couleurs. Voilà, mon bleu gris. Je rajoute des ombres au crayon rouge dans la peau avant de surligner tout au crayon noir. Et voilà, c'était donc comment caricaturer Michel Galabru, une autre de mes idoles.